Aider les parents à concilier une vie familiale et professionnelle, c'est l'une des missions de la Caisse d'allocation familiale, mais aussi de l'État et du Conseil départemental. Alors, pour coordonner tous ces services et optimiser ainsi les fonds publics, ces trois instances ont signé conjointement un schéma départemental des services aux familles. Après avoir identifié les besoins des territoires, il s'agira notamment de proposer des solutions d'accueil pour la garde des enfants, mais aussi un soutien à la fonction parentale. Avec cette signature, les trois instances espèrent soutenir efficacement les familles. C'est ce que nous explique la directrice de la CAF de Vendée. L'idée, par exemple, c'est de travailler sur, finalement, les enfants. La CAF travaille à destination sur les modes de garde des enfants de 0 à 3 ans. Le département, on peut aller jusqu'à 6 ans. Le département travaille, lui, davantage sur la tranche 6-10 ans. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en commun nos actions pour offrir à l'ensemble des enfants de 0 à 10 ans à la fois les modes de garde et les services dont ils ont besoin.